Ils ont changé le calendrier, le système de mesure et le nom des villages. Carla le comte est devenu Carla le peuple. Ouais. Ton patelin à toi, Carla Bail, aujourd'hui. Pour te servir, monseigneur. Mais quand ils ont pris les biens de l'église pour les donner à la nation et qu'ils ont fait les curés fonctionnaires, alors là, ça n'a pas plu à tout le monde. Faut dire aussi que la révolution, elle nourrissait pas son peuple. Et le pain continuait à manquer. Alors, normal, ça râlait par ici. Le roi a essayé de s'enfuir, on l'a rattrapé. On est les meilleurs, vive nous. Ah bravo. Maintenant, tous les rois veulent notre peau. Et ils font lever des troupes. Qu'ils se débrouillent. Moi, j'irai pas me battre. J'ai mon blé à moissonner. Claire Lacombe, citoyenne d'Ariège, je jure de vivre pour la République ou de mourir pour elle. Qu'on m'enrôle dans l'armée pour servir la nation. L'été 1792, la patrie est proclamée en danger. La Convention, nouvelle assemblée constituante, est élue au suffrage universel, moins les femmes. La Révolution n'a pas tout changé. Citoyen Lacanal, député de l'Ariège, un vrai républicain parle peu. Les motifs de ma décision sont là. Je vote pour la mort. Les députés de l'Ariège sont les seuls à voter la mort du roi à l'unanimité. Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. La révolution est irréversible. Citoyens, arrêtons de piller les chefs-d'œuvre. Sauvons le jardin des plantes, instaurons un observatoire, des académies de penseurs. Apprenons à connaître le monde pour le changer. La guerre s'intensifie aux frontières pendant que la Vendée se soulève. L'ombre de la guillotine plane. Partout, la terreur s'installe. Aux résistances, les ennemis du peuple, à la guillotine! Il faut créer des écoles, former des instituteurs, publier des manuels. La République va promouvoir une éducation nationale, propre à former des hommes libres. Toute religion est une tuerie. Ce Robespierre et son être suprême vont tuer la République. Il faut s'en débarrasser. Le 9 Thermidor de l'an 2, Robespierre est arrêté. Le lendemain, 27 juillet 1794, il est mené à la guillotine. La révolution égalitaire est terminée. Ceux qui hier avaient peur pour leur tête se vengent aujourd'hui. La terreur blanche embrase le pays. Certains essaieront d'aller plus loin que cette révolution bourgeoise, comme Babeuf et Vadier avec lui. Mais il est trop tôt. Le sang a trop coulé. La révolution s'épuise. Ça en fait du chambardement. Mais quand il faut, il faut. Le souci, c'est que le français est devenu la seule parlerie. Et chez nous, ça pose problème. Vous m'excuserez. Je crois que j'ai une touche avec la Jeanne. Là-bas. Elle n'est pas gironde à souhait. Et laissez-moi y aller voir de plus près. Après les carnages des guerres napoléoniennes, encore une fois, la population se remet et augmente. Les paysans plus nombreux s'appauvrissent. La vie est rude en Ariège. C'est ce moment que choisit Charles X pour promulguer un nouveau code forestier en 1827. Depuis toujours, les paysans ramassent leur bois et mènent leurs troupeaux paître dans les forêts. Ils ne pourront plus le faire. Cet interdit va enflammer l'Ariège. Tu dis qu'à Paris, il y a des émeutes ? Oui. Il y a des barricades partout. Charles X peut dire au revoir à son trône. Par ici, les mineurs du Rancy ont chassé les percepteurs qui les ruinent. Tout le monde se révolte. Faute de Bastille, nous, on va reprendre nos forêts. Nénès, passe-moi la gourde. Vous êtes prêts ? On les surprendra à la lisière du bois du Clèche. Ils sont nombreux ? Non, une dizaine de gardes forestiers et quelques gendarmes. Avec ceux du Pyros qui nous rejoignent là-bas, on les saura en moins de deux. Allez, on y va !
se dit. Ce 19e siècle rebondit de révolte en émeute. L'industrialisation marque l'entrée dans une ère nouvelle. Et la misère encore règne sur le pays. En Ariège, pendant que les paysans se battent pour récupérer leurs droits sur les forêts, les forges à la Catalane dévorent des milliers d'arbres. Ici, le paysan se fait ouvrier de forge quand la saison le permet. Ailleurs, les campagnes se dépeuplent pour grossir les faubourgs des villes. La classe ouvrière est née.